Allez, bonjour à tous, c'est Marc. Aujourd'hui, je vous fais une petite visite de la ferme quelque part en Thuringe. C'est une carte PC. Voilà, je viens de finir à peu près la ferme. Bon, il y a encore quelques petites modifications à faire après, mais bon, en attendant, c'est bien comme ça. Alors, voilà, j'ai placé une petite maison du mode-up, hein, que je pense que même les consoles on pourrait avoir. Je n'ai pas essayé sur console si je pouvais la mettre ou pas. Voilà, la petite vue d'intérieur bien sympa. Avec les chambres ici, là. Voilà, la petite chambre là où on va se reposer. Il y a quelques autres petites portes qu'on ne peut pas ouvrir. Si on peut l'ouvrir. Non, on ne peut pas ouvrir. Celle-là, oui, débarras. Par contre, celle-là, on ne peut pas. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est pas bien grave. La petite cuisine, enfin voilà, la petite maison quoi. Voilà, alors ici j'ai placé un petit peu de poules. Donc c'est il y a 30 poules, c'est un petit poulailler tout banal. Alors ouais, quand j'ai spawné dans la ferme, c'était Score de ferme-ci. Je suis resté dedans comme j'avais fait une fois sur une autre carte. Mais bon, comme j'ai fait planter le jeu, donc j'ai perdu toutes mes avances et tout, même toutes mes autres cartes, donc j'ai tout réinstallé, refaire tout, enfin bref, c'est pas grave. Les petits bâtiments ici, j'y ai pas touché, c'est ceux de base quand vous arrivez. Bon, ben, la petite moissonneuse, la petite nouvelle classe de chez Lexion, c'est la plus grosse de chez Lexion. J'ai fait une petite vidéo dessus, un petit test, elle va super bien, franchement. Encore une fois, elle ne roule qu'à 30 km/h, mais elle fait bien son petit boulot. Enfin, moi je le trouve en tout cas. Alors, un petit Fiat que là aussi vous pouvez trouver sur toute plateforme, c'est le 130. Sauf que celui-là, c'est pas le power shift, c'est boîte manuelle. Lui, il me sert pour les animaux. Une petite benne à grains pour aller dépatouiller un peu les semoirs dans les champs et tout ça. La barre de coupe de la nouvelle âne, pardon, voilà. Le petit épandeur, enfin le gros épandeur. Ici j'ai mis une extension silo. Voilà, la stabule des vaches. Un silo à grains avec ces deux extensions. J'ai mis deux extensions à côté. Bon, il ne faut pas plus gros ici dedans de toute façon. Bon, la benne, je ne l'ai pas rangée. Les silos. Voilà, avec une petite rangée de pneus que j'ai mis en déco de chaque côté. J'ai mis deux silos comme ça. Un peu à l'ancienne. Ça change un peu du moderne, je trouve. Alors ici, ben voilà. Stockage de balles. Donc en bonne logique, quand j'aurai fait une rangée, ben, il y a une bâche qui va spawner dessus. Paille et foin, j'ai mis. Donc j'en ai fait quelques-unes tout à l'heure. Voilà un petit peu pour le beau petit drapeau de la France, évidemment. Alors les silos, ouais, ils ont de l'éclairage, c'est bien, c'est bien s'il est de la nuit, quoi. Bon, le petit silo magique, je l'ai laissé pour le début, pour mes semences et tout, mais vous voyez, voilà, tout doucement, je mets des silos avec ce qu'il va falloir avec, comme ça, fini de site, plus besoin de silos magiques. Un petit hangar plaçable ici aussi. Bon, j'ai agrandi un peu la ferme, hein, parce qu'elle n'était pas comme ça avant. Un stockage de lait. Qui est aussi sur toute plateforme, celui-là. Mon bon vieux silo Factory pour faire vos mélanges, vos rations mélangées, tout ça pour vos vaches et vos cochons. L'atelier pour réparer. Alors en matériel, ben, j'ai la faucheuse ici. C'est un mode aussi qui est sorti il y a quelques jours aussi maintenant, qui va super bien, franchement. La JD, l'ancien JD. La bonne vieille New Holland, que j'adore cette batteuse. Bon ben voilà, ma ramasseuse à balles. Voilà en gros pour la petite ferme, on va se faire une petite vue aérienne comme ça vous verrez mieux. Voilà un petit peu, elle est très fonctionnelle, c'est pratique. On n'empiète sur rien, on ne doit pas faire des détours et des. Voilà, on ne doit pas tourner autour de grand chose, tout est là. Après, bon, ben,
Je remodifierai encore quelques petits trucs, mais bon, pour le moment, on va commencer gentiment. Enfin, je vais recommencer gentiment parce que cette carte-ci, vraiment, je l'adore. Je l'ai découvert un peu par hasard hein, sur le PC. Et vraiment, je vais vous faire voir le PDA. Il est vraiment pas mal du tout. Alors, le PDA, le voilà. Donc, il y a du champ, hein, franchement. Il y a beaucoup de champs, il y a de la forêt pour celui qui aime faire ça. C'est pas une petite map. C'est pas une grosse non plus, mais bon, c'est une moyenne, on va dire. Après, je ne sais pas si dans le futur, ils agrandiront encore ou pas, parce que bon, apparemment, ils pourraient la réagrandir. Enfin, voilà, en attendant. Alors, vous avez plusieurs points de vente à gauche, à droite. Ici, c'est le petit village. Ici, voilà, vous avez encore des points de vente ici, ici. Après, la plupart, ben, ça se trouve ici dans le village. Il faut voyager un petit peu. Mais elle est sympa, franchement, je vous la conseille. Franchement, c'est une très belle carte. C'est la carte quelque part en Thuringe. Elle est sympa. Donc ici, bon, ben voilà, en attendant de faire la petite vidéo, vous expliquer, ben voilà, je me fais aider par... les ouvriers qui font un petit peu méchant. Ici je vais replanter du blé et tout ça, comme ça je vais faire de la paille. Et alors de l'autre côté, voilà, ben, on va même l'arrêter lui parce que voilà, je suis là. On déchaume les champs que j'ai fait tout à l'heure. Donc on les redéchaume puis on va les traiter après. Voilà un petit peu pour la petite ferme ici que je refais tout du début. Alors oui, la voiture volante, voilà. Avec son petit drone au-dessus. Petite fabrication maison. C'est assez marrant. J'ai fait une petite vidéo. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Après, ça reste pas réaliste du tout. On est d'accord. Ça plaira ou ça plaira pas. Mais moi, j'ai trouvé ça marrant. Donc maintenant, si je veux faire des belles photos aériennes ou quoi. Eh ben voilà. Je me mets dans le drone. Et je fais voler la voiture avec. De toute façon, ça va pas plus vite avec que sans. Donc voilà. Encore une fois, c'est un petit délire. Et le petit quad, ouais, le petit quad, c'est un mode aussi qui est sorti. Sympa. Bon, j'ai plein de trucs qui servent à rien. Le camion, je sais même pas pourquoi. Enfin, j'ai voulu mettre le drone dessus la dernière fois, mais ça ne marche pas. La petite Jeep ici, je la trouve sympa. Je vais la garder. La petite remorque ici aussi. Comme ça, je vais pouvoir charger mes palettes de dessus. Comme ça, on ira vendre ça avec ça. Enfin, voilà, en gros. Pour la petite visite un petit peu guidée de la ferme en Thuringe que j'ai tout à fait refaite. Bon, c'est pas tout à fait fini, mais bon, en attendant, ça fera l'affaire, on va dire ça comme ça. Bon, ben voilà, si la petite visite vous a plu, ben mettez-moi un petit pouce. Et puis si jamais vous avez des questions, ben faut pas hésiter. Je suis un peu là pour vous. Si je peux vous répondre, ça serait avec plaisir. Bon, ben sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao, c'était Marc.